Bonjour, bonsoir. Saluez-nous. C'est un plaisir pour ma venue aujourd'hui. Chers amis, comment nous y? Saluez-nous. Je dis, bon, écoutez. Et pour flaguer la rue, déjà. Comment on vit? C'est des beaux salvants, yo. Atin Lavalas, me salue, yo. Comment on vit? C'est un plaisir, ma vie, non? Bonsoir. Jean Péguy, bonsoir. Quel ok, ça qu'a fait le bonheur, maman. Mandela, bonsoir. Cher Lavla, pour moi, je fais une petite analyse. Comment tu parles sur ces événements? Et puis, je fais une petite parler sur massacre. Ça crie, j'ai canard. Hein? Et un salut ou Joy, un salut ou John Bonson, un glad salutation. Et vous saluez ou vous saluez. But anyway, tout d'abord, moi te gueule, me dit fait la vie ça sous comme étant une réponse à John Wesley Delva, comme deuxième partie, me laisser le pont l'autre là. Wilgens, me salue. John, me salue. So, et pour les questions, John Wesley Delva a avancé. Yeah, but anyway, il faut camper sur lui. Pour des raisons spécifiques, et stratégique compte tenu du fait que il y a un massacre qui fait la réalité bon et comme Olivier Francis et Candy salutation Evelyn et Emerson là on a regardé même cher la pour moi ceci on va voir l'intervenir sous dossier John Wesley Delva avec Morvan, m'a fait une intervention plutôt sur massacre. Comme si c'est moi qui a fait actualité. Là. Première bagaille, m'a dit nous, m'a contextualisé massacre. Ça qui passe, on contextualise. La semaine dernière, il y a une délégation. La femme dit nous, ouais, faut nous chiter à l'école. Mais invitez-nous, venez inscrire dans l'université Boussala pour nous comprendre la réalité du pays d'Haïti. Et puis pour nous apprendre à faire une analyse systémique, multivariate, avec un pile méthodologie. Nous avons analysé la situation du pays d'Haïti. Tout d'abord, on nous contextualise. Semaine dernière, t'es gagné une délégation kenyenne qui est entrée dans le pays d'Haïti. C'était la joie. En pile monde t'a pas attendu, bien entendu, à cette intervention de l'armée kenyenne en dedans pays d'Haïti pour aider ou venir combattre ça ou les gangs en dedans pays. Maintenant, les gens qui ont regardé, ils ont regardé, ils ont une délégation qui vient
en quelque sorte caché en dedans pays a j'ai gardé critique yo me demander est-ce que mon ça a devenir réglé est-ce que c'est aidé ou venir des peuple haïtien combat gang ou bien est-ce que c'est manger ou venir manger ou bien c'est chita ou venir chita so vous êtes capable de remarquer bien entendu délégation pas vraiment bien reçue. Et il était venu créer frustration. Il était venu créer frustration parce que des mondes qui t'attendent que c'est force kenyenne nous t'a venir en quelque sorte et des mondes tout qui pas d'accord pour force kenyenne venir dans le pays d'Haïti. Moi j'étais sur les réseaux sociaux. M'a regardé tendance qu'a développé. T'es gain un groupe monde qui pour sur les réseaux sociaux. Car l'opinion publique est divisée en deux. Et puis, il y a un groupe de monde qui contre. Il y a un groupe de monde qui pour. Eh oui, force kenyenne vini, vini de nous, bah, ça y est, pour une intervention étrangère, bataille. C'est là. Et puis, il y a un groupe de monde qui contre. Et groupe de monde, ça y est, en quelque sorte, c'est un groupe de monde qui dit comme ça que, force kenyenne n'a pas besoin de venir dans le pays, parce que si on vient dans le pays, si yo pral faire plus crime plus assassiner moun bagay mais dame yo pral ceci voilà c'est là non alors il faut comprendre que l'opinion de pas passer de part notre histoire en dedans pays d'Haïti c'est-à-dire à chaque crise l'intervention étrangère en dedans pays d'Haïti pas jamais abouti à un résultat positif c'est-à-dire au point de vue en termes d'évaluation sur à évaluer intervention étrangère yo force état onusienne yo avec en dedans pays d'Haïti yo pas connait yo pas jamais déboucher sur un résultat positif pas jamais de un bagage qui sorti de bon c'est nèg yo vini une chita manger boire comme yo c'est là et puis après ça nèg yo jusqu'à ce qu'il yo la choléra yo en 7000 dames yo après ça yo tout le monde yo là dans cette et bon bah sérieux qui t'a préparé but avec Kenyan yo tout le monde a dit bon écoutez c'est une nèg noire tête graine bah ay on quitte lui ni d'autres pas encore d'estimer non et bah Kenyan yo pas besoin entrer dans pays ya parce que c'est étranger anyway nous pas besoin intervention problème là c'est haïtien qui vous résoudre ensemble en fait raison d'être intervention c'est parce que haïtien pas résoudre ensemble même qui fait ça alors que population a exposé avec une insécurité, gang a fait ravage, la misère a fait ravage, grand goût a tué mounio a vécu dans la peur, ok? Et puis, en quelque sorte, il n'a pas gagné encadrement de la part de l'État qui pour garantir un minimum de sécurité. Maintenant, il est livré pour compte. Ceci étant dit, il y a une intervention des forces étrangères dans le pays, hein? T'as payé quand même puisque l'État n'est pas en mesure, l'État faillit, l'État pas en mesure pour être capable satisfaire en quelque sorte, assumer responsabilité galienne et satisfaire les besoins de sécurité de la population. Maintenant, à mon grand étonnement, au vu aussi de tout le monde, hier, Pasteur Marco réunit avec Fidelio, non jeune, et a décidé, en quelque sorte, selon les dits, n'a corrigé si m'a menti, pour y libérer Canal. Maintenant, quelle est la nature de cette opération? Est-ce que c'est une opération à caractère religieux? Est-ce que c'est une opération à caractère politique? En réalité, qui vraie nature opération ça? Ok? Prendre des points fidèles dans l'église, hein? Et vous décidez avec eux pour aller son territoire. Ok? Un territoire que même la police pas calé, pas voulu aller, pas des ressources nécessaires pour aller. Un territoire
côté que même l'État pas voulu aller. Et puis, bon, écoutez, vous décidez d'aller. Si nous remarquons, pendant que Kenyan, délégation kenyenne arrive en Haïti, il y a deux massacres qui commencent à augmenter dans le pays. Il y a un massacre Kafoufeuille qui intensifié dans la question phénomène gang. Non? Et puis, incident ça. Hier, la massacre ça qui se passé là, canard. Maintenant, on réfléchit. Force étrangère a supposé venir. Yo pas vini. Yo délégation va être. Il va faire régler rien. Et de l'autre côté, ou gen une intensification, massacre. Kafoufeuille, moun a Kafoufeuille a couru quitter la caillou zone là pour bandi. Dans contexte ça. Et puis de l'autre côté, ou gagné population Kafoufeuille là, qui a couru pour bandit. Ok? Poté bourré sous Ariel Henry, qui t'a fait discours dans le terme Boniface. Poté bourré devant le ministère de Défense pour demander l'armée d'Haïti vini de yo. Maintenant, réfléchis un peu. Analyse d'affaires. Massacre, Kafoufeuille là, font camper, li refroidi, moun yo maron, moun yo vin devant. Maintenant, Ariel toujours été dans le pouvoir. Ariel toujours été là. Maintenant, quelques jours après, gon manifestation qui fait contre Ariel, qui a demandé de pas Ariel. Ariel pas occupé, yo. Ariel still était là. Mais écoutez bien, ça m'a dit là. M'inscrit tête, moi, pour me présenter nous les enchaînements des événements. Pour nous qu'on une idée générale de situation. Maintenant, d'un côté, massacre Kafoufeuille, moun Kafoufeuille a couru, quitté Kafoufeuille, délocalisation, vin tombé devant, vin demander l'armée pour aider, vin lever contre Ariel. Maintenant, suite à ça, nous avons deux manifestations consécutives qui fait en dedans pays pour demander le départ d'Ariel Henry. Ariel Henry style au pouvoir. Ariel Henry pas secoué col même, il donc veut même. Ariel Henry était là pour nous comprendre le contexte. A remarquer un, pas une délégation kenyenne, pas une l'armée kenyenne qui vient, pas une intervention étrangère. Intensification phénomène gang nan et massacre Kafoufeuille ajouté avec deux manifestation qui fait contre Ariel Henry. Maintenant, Ariel Henry est-il au pouvoir? Maintenant, que faire? Que faire? Et puis, à grand étonnement, nous, hier, Pasteur Marco, avec un paquet de fidèles, décidé pour y aller, Canaran à déchouquer Bandi. Et, massacre fait, sous Fidelio, de plus passer 20 mouns qui mourent, ça blessé, gen yo kidnappé. Maintenant, li escompté à un échec, et qu'on y a là, les réseaux sociaux prennent du fait. Gen moun de côté
Même réaction. Gen moun de côté qui commence à acculer le pasteur, secteur religieux, secteur protestant. Et de notre côté, ou gagne moun tout qui commence à dire, moi, écoutez quand même, monsieur, puisque pas gagne l'État, ok, puisque monsieur, en quelque sorte, a fait preuve de leadership pour voir s'il était capable de dossier, bagage à en main. Et bien, de notre côté, vous avez les, en l'autre secteur, que y aurait les vaudouisants, qui, en quelque sorte, fait bagarre à tout non problème entre côté bon Dieu et côté Jésus et puis protestant yo a dit que c'est boko yo qui baille ou gang qui baille en quelque sorte et bandit au point. Mais que les gens qui ferment toujours a dit nous rete l'école. Mais les gens qui ferment a dit nous rete l'école. Il y a plusieurs avantages dans l'école. Mais faut bien apprendre. Un, premier avantage, vous gagnez l'école. Vous rete l'école, vous apprenez. Premier avantage, vous gagnez. Moun pa manipule facile. Parce que, dès pour ignorant, ou analphabète, ou illettré, ou fait l'objet de manipulation, ou sujet à manipulation à n'importe quel moment. Mais de vous chita sous ban l'école, ou gon minimum pour réfléchir, ou un minimum pour faire analyse critique. La difficile pour un monde menon à la bas poids. La difficile pour un monde menon à mourir. Maintenant, on va réfléchir mieux. On va analyser mieux. Avant de prendre une décision. Ok? On va réfléchir avec conséquences. Avant de prendre une décision. Ou à analyser les paramètres, les variables, avant qu'on pote t'étoile. Ou à prendre by priorité. Maintenant, le, nous yon cas, tant qu'ou yè, 90% malheureuse en dedans l'évangile là, protestant, pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Yon la gué yon nommé un pasteur. Destin yo nan mon pasteur kap pale au nom de Dieu. Si pasteur a dit yo, en tant que leader religieux, qui a une responsabilité morale, si pasteur a dit yo, la mene yo al déchouki. Bandi, en tant que qui ça? Voilà la problématique. Est-ce que la mène va déchouquer bandit en tant que citoyen? Ou bien est-ce que la mène va déchouquer bandit en tant que chrétien? Maintenant, réfléchis bien. Parce qu'il y a deux statuts pour analyser le dossier. Est-ce que pasteur Marco décide de prendre Mablio fidèle yo pour mener yo à déchouquer bandi canard en tant que citoyen ou bien à si ces citoyens oui yo gen responsabilité citoyen dans la société yo pas qu'à croiser les bras en tant que citoyen pour y regarder et constater que société a effondré bandi finan va yo et l'État en quelque sorte fait faillite maintenant. En tant que citoyen engagé, il est de leur responsabilité pour yo prendre destin yo en main de façon à ce que pour yo faire face avec problème ça yo confronté. C'est ça le rôle du citoyen. En tant que citoyen, il y a des devoirs, mais il y a aussi des obligations. Mais lorsque l'État, c'est ça que je me dis citoyen, mais lorsque l'État est dans la société, ça, pas capable, fait faillite. Li fait faillite, on l'état faillite, li pas capable en quelque sorte assurer fonction régalienne ni pour capable garantir sécurité pour population. Lorsque l'état ça perd ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime. Maintenant c'est normal des trous qui créent
pour assister avec phénomène de gang ça et de contrôle du territoire à des fins politiques au détriment de la population. Guerre de territoire, ok, pour des, à des fins politiques dans la mesure où pour gagner qui gagne contrôle territoire, la gang gagne contrôle de pour l'élection arrivée. Maintenant, ça entraîne notre perspective, notre dynamique, pour comprendre que, ok, en tant que citoyen, que faire? Est-ce qu'on va prêter de façon passive pour assister à dégradation situation sécuritaire pays d'Haïti? Et vous croisez bois en attendant que, ou même qu'à vivre dans la société, ou ces citoyens, ou aptan, à qui moment, gang, vinavay ou vintio, ou bien, sous ces citoyens, ou ap décidé, en quelque sorte, organiser ou, ok, créer les conditions pour baiter ou, au minimum de sécurité. Est-ce que, c'est dans cette perspective, que Pasteur Mako, te prend initiative ça, n'a pas analysé ça, on y a là. Ou bien, est-ce que Pasteur Mako, en quelque sorte, inscrit des marches liées en tant que monde qui l'église dans un cadre protestantiste? C'est-à-dire le rôle des chrétiens en dedans société. Qui voit le chrétien, yo? Qui voit le secteur protestant en dedans société? Mais attention à ce que je dis là. Ou pas qu'à dire comme ça que c'est en tant que citoyen, d'un côté, et puis pour dire, oh oui, c'est attaqué chrétien. Maintenant, à vous remarquer, dans le contexte à toujours, ça va faire 2 mois que Pasteur Grégory te prend une initiative, côté le fond marche, il souffle pour Haïti, ok, gain, résultat, yo, pour moun te mette sorti dehors, en pile moun te prend la rue, en quelque sorte, à travers le monde, pour être capable, en quelque sorte, de exprimer, écoutez, mécontentement avec situation pays. Il était fait l'objet de critiques et bien sûr de ma part, parce que me disais qu'on est résultat, en quelque sorte, de papa coucher rien de positif, de concret, tout simplement, si c'est une folie à Harvey Dream qui était un matin qui était pour un citoyen, il décide de faire. Moi, je ne parle en pile. Une fois, mais vous en parlez, mon cap, mais n'aime d'un coup cabri. Et vous êtes ça, ou de chica sous dans l'école. Là, y'a mon cap, mais n'aime ni d'un coup cabri, ni d'un coup bœuf. Le final avec une proposition de vous, vous faire tel bagaille, comme chica pour m'analyser, pour moi, est-ce qu'il a bon pour moi? Et puis, est-ce que c'est à court terme, à long terme, ou bien à moyen terme, qui ça va le porter de concret? C'était la question fondamentale que je me suis posée, l'aime temps de oui, sauf poit, il me dit à qui fin. Quelle est la finalité? La finalité, c'est, oui, nous pas sortir marcher, un des noirs. Nada. Oh oui, si on bagaille positif, that's bullshit. Dans la situation pays, il y a là, on va faire théâtre. Dans la situation pays, il y a là, où il y a plein de monde qui a mené, qui a avant, sous une action concrète, on va poser une action concrète, positive, pour tout le monde, le bon résultat. Alors, on prend un paquet de monde, fait maillot, marcher, aller, faire caca, tout c'est bullshit. Et là, pile moun qui t'est monté, un pile protestant est tombé, joué, c'est la parade, tu vas dire, ok, il va pas boutir rien. Son élément qui les vont bon matin, et puis ils font rêve, ils ont envie. Ok, ils ont envie, vin, maternité, king, et puis ils disent, ah, avec June. Avec June. Qui est-ce qui profitait de bordel là? C'est monsieur. Fait gros discours, à la fin, campé, fait gros bout discours, oh oui, souffle, tout c'est bullshit. Pour qui est-ce que c'est bullshit? Parce que là, il y a 80% de monde qui va qu'on lit, pas qu'on écrit. Qui sort, qui est analphabète. Qui envahit un secteur et les protestants. Ils ont pas eu de côté pour y aller. Ils sont frustrés. Ils ont un paquet de diaspora. Ok? Qui peut déjà pas qu'on lit? Qui peut être en dedans l'église? Ok? Bon, qui sont experts de la bâtonne? Qui sont respectés au tabral, au tabral fait, au tabral jeune. Quand on va le tromper au dimoun sa yo, marche là-bas, utile rien, c'est pied, on va le poudrer pour grand messie. Va grand rien qu'à sortir là-dedans. Après marche là, massacre. Massacre pire.
Quand y a un mal dit mon gars, bon, écoutez quand même. Soit fait mal ça. Il va pas aboutir rien. Pas qui c'est fou là qui a fait. Mon copain me dit c'est fou là qui t'a fait. Bon dal bluffé qui sur les réseaux sociaux a dit ah oui, oui at least pasteur Grégory prend la ri, il mettait mon dehors un dena qui fin, qui finalité. À qui fin, qui finalité, ça l'est-il. Ou gon vieux maillot la caillou qui va être une merde, qui ça l'est-il en termes de retomber pour pays d'Haïti. Non mais en mon merde. Nous mettons les baïtils. Nous venons sous les pieds, nous marchons comme un monde fou. Et puis, après, ça rentre là, quand nous sommes mouda, nous. Et puis, pays a crassé, pas grand, non? Quand nous avons les chaises, nous, comme dit nous, chita, nous avons tant de miracles à le faire. Tant qu'il livre. Tant qu'il livre, nous avons des miracles là. Et nous, dans le monde fou, nous qui problème, nous allergie à l'école. Nous allergie à connaissance. Nous allergie à monde qui compte lit. Nous allergie à monde qui parle, qui mette nous sous chemin. Depuis on moun fait une analyse, li va rentrer dans ce sens nous, c'est fanatisme qui a mené. Et normal, les nous prenons un caca, qu'on y en a une espèce, miracle et merveille, dans qui livre. Qui paye sous la tente de développer avec marche. Y'a un problème de sécurité dans le pays, et vous donnez au bal développer, y'a un bal résolu avec marche. Qui marche? Un moun fou, qui est-ce, à qui fin? Oh oui, fait gros parole pour citer Washington. Qui ça Washington va faire? Bon, Washington même, qui contribue à mettre nous là. Oui, nous allons marcher pour le monde, pour ceci. Yo souffre pour Haïti. Bon, qui est-ce qui m'a des souffres pour Haïti? Qui est-ce qui m'a des souffres pour Haïti? Qui est-ce qui m'a des souffres? Américain? Bon, Américain, pendant 200 ans, avec la France, l'Occident, mettre nous là. Qui m'a des souffres pour Haïti? Miracle. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, mais comment problème ça résoudre? Sous son pasteur vrai, ou t'as dit, mais écoutez, mais ça l'a fait, mais sa parole, mon Dieu dit, ah, si t'as une faire, oui, avec Dream, qui Dream? Dream n'a dit ça! Mais un faux, li matin, li taking qui prend nous, ceci, c'est là, et puis, d'un coup, vient faire caca dans la figure. Maintenant, dans le même contexte, ça, réussi, masse a tellement mette moun dehors. Ok? Mais résultat, ou pas par rien. Ou gen doit dire, avancer l'hypothèse, que gon folie qui moute Mako. Mako besoin fou kout. Souf poaiti tout. Le problème, non? Les médiocrités a gouverné. Lorsque vous avez des leaders qui avec, c'est ça? Mako gade. Li wè Grégory passé moun envahi succès pou konn y a li même faut le faire un bagay en quelque sorte pour voir s'il était calé plus loin que Grégory konn y a li prend dans le malheureux. OK, li prend dans le malheureux, mettez maillot sous yo qui balé qui marqué parce que c'est pasteur Mako. Et puis li dit yo, OK, il pral mené ou al déchouqué. Bandi. Par exemple, non moun yo qui mandé pasteur, est-ce que c'est bon Dieu qui bon révélation ça? Par exemple, non tête pété yo qui mandé pasteur Mako. Est-ce que c'est bon Dieu qui bon révélation ça? Pour la Canaan. Si c'est mon Dieu qui baoule, comment on fait baoule? Qui sale du cap baille, cap sorti, et prophète ouye? Qui résiste à la baille? Maintenant, vous savez, de notre côté, ou gen moun qui baoule, vous dire oui, il était essayé. Ou pas qu'à jouer à la vie moun. Yo chrétien, faut gen bon jugement, faut gen sagesse. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Jésus a dit, qui est-ce moun qui a construit un caille pour construire kala qui va chita pour évaluer est-ce que la continue, est-ce qu'elle a privé dans bout ou bien est-ce qu'elle a confini? Ou pas qu'un leader religieux sans responsabilité, ou pas qu'a gagné un paquet pour nous mener sans qu'on pas de responsabilité. Avec, pas qu'à mener avec, tous les dés à tomber dans le trou.
j'ai raison qu'il m'a Jésus dit ça. La parler en quelque sorte de la clairvoyance et de la responsabilité du leader religieux. Ou pas qu'après yon nègre. Qui est le tête du pasteur, qui est le tête du pasteur. Et puis, il décide, mais qui ça motive? Qui vraie motivation? Faut poser cette question. À savoir, qui vraie motivation du pasteur? Est-ce que, il arrive dans une situation, il a besoin, bagala changer? Ou bien, est-ce qu'elle a besoin, en quelque sorte, à faire action comme ça? Maintenant, tu me dis nous bien. Ou qu'on est, n'est-ce pas, Gizam? Écoutez bien. Ou qu'on est terrain, ou braler à Gizam? Ou qu'on est bandit ça, yo? Yo massacre moun, pour rien. Maintenant, ou prend population, ou prend mounou yo, ou décide mener au l'autre bois. Est-ce qu'on t'a évalué? Est-ce qu'on t'a réfléchi à l'opération? Est-ce qu'on t'a gardé bien fondé l'opération? Est-ce qu'on t'a gardé ou t'a réfléchi si moun yo mouri, si bandi yo retalié, qui ça ka causé? Est-ce que ou t'a dit bon, écoutez, là nous mener moun yo l'autre bord là. Si bandi yo commencé tirer sur moun yo, commencé vider moun yo à terre. Massacrer moun yo. Est-ce que à qui est responsabilité ça? Est-ce qu'on t'a chita ou t'a évalué opération bien fondée, conséquence li? Qui ça ka cause? Est-ce qu'on t'a qu'on leader, yon responsable ou t'a chita ou t'a dit écoutez, la police pas ka bataille contre nèg yo. L'armée kenyenne décide d'aller boudal. Ariel Henry don't give a damn. Li bakè. Bandi a continué à faire des gars. Mais comment on va le faire lever pour prendre un pop, un troupeau qui sous responsabilité, pour prendre un troupeau qui sous responsabilité pour mener à la boucherie. Est-ce que c'est pas à la boucherie m'a mené mon yo? Est-ce que c'est pas à la boucherie m'a mené? Qui responsabilité même en tant que chef gardien troupeau, qui responsabilité? Qui wol moi? Est-ce que c'est wol nous en tant que leader religieux pour mener moun à la boucherie? Ou capable éduquer peuple là, population là, ou capable éduquer fidèle yo comment pour yo vinn bon citoyen? Ou capable éduquer peut pouvoir comment pour le protéger tête li qui mesure de sécurité qui ça doit faire dans cas où ou capable mais l'autre non logique d'affrontement ou décider pour un peuple qui fait confiance en tant que leader le peuple faire confiance comme leader. Ou dit ou connaît yo baron li. Ou connaît moun yo déjà souffri de carence en matière de analphabétisme. Yo baron li. Et on connaît aussi misère dans mouda yo. Et on connaît grand goût dans mouda yo. Et on connaît insécurité dans de yo. Yo bagay jugement, yo bagay bon sens. Maintenant, on décide de prendre pour mener au l'autre bois. On décide de prendre pour mener au l'autre bois. Maintenant, il y a un monde qui dit oui, puisque pas gain l'État, puisque pas gain responsabilité, pas gain leadership. Ça passe tellement qu'on fait, c'est preuve que le leader. Mais pas qu'un leadership sans responsabilité, c'est quoi cette bêtise? Qui côté nous, est un leadership sans responsabilité?
dans qui pays sérieux capable avancer nous dans des grands leaders qui prend décision. Une décision il prend, c'est une décision. Toute décision ou prend en tant qu'un leader, il marche avec responsabilité. Parce que décision doit prendre en tant que leader, leadership est sous base de compétences, de connaissances, de savoir et d'intelligence et de sagesse. Et ça, ou pas arrêter qu'on s'en prend décision et pour les têtes ou leader et pour pas réfléchir à qui conséquence ça va gagner. Qui modèle leader y est? Qui problème leader y est? Maintenant, à qui la faute? Le nom société, moun pa kon li. La difficile, oui, pour repartir les responsabilités. M'a dit nous ça, m'a dit encore. Dans une société qui est côté 90% mon baron li. Expliquez-moi comment on va faire repartir responsabilité. Expliquez-moi. Parce que en réalité, c'est le fait que par contre li même oui qui va faire vider dans fanatisme. C'est l'illettrice même qui parle à la base. L'analphabétisme même qui parle à la base du fanatisme. Depuis moun pa kon li, depuis une société qui a 90% la donne, moun pa kon li, c'est normal pour société à chirer en fanatisme. Parce que yon pa ka fait preuve de jugement. Yon pa ka aller plus loin dans le raisonnement. C'est qui est-ce qui pour Mako? Qui est-ce qui compte Mako? Qui est-ce qui pour Mako? Qui est-ce qui d'accord ça Mako fait? Qui est-ce qui pour Mako? Qui est-ce qui pour Aristide? Qui est-ce qui compte Aristide? Qui est-ce qui pour Jovenel? Qui est-ce qui compte Jovenel? Qui est-ce qui compte? C'est normal, c'est le fanatisme. Mais vous pensez vous allez parler, vous allez discuter des sujets? Non. Vous pas préparé pour ça. Vous pas formé pour ça. Est-ce que vous allez dire OK? Qui monde, qui régime politique nous besoin? Qui régime politique? Est-ce que nous va faire débat sur régime politique? Qui ça cap plus bon pour nous? OK, qui modèle économique nous besoin? Qui modèle économique cap plus bon pour nous? À nous analyser, à nous évaluer, qui politique de sécurité nous besoin? Est-ce que nous besoin l'armée? Est-ce que nous avons besoin l'armée? Qui ça nous besoin? Et pas savoir discuter. Que va qu'on lit? Bon qui ça? Est-ce qu'on a connaissance technique pour ça? Non. Non, yo rien. Yo analphabet. C'est l'exit yo gagne. C'est pour qui est-ce oui, yo va voter. C'est qui est-ce qui sauve a et ça y attend. Qui est-ce qui sauve a et qui est-ce qui a tué? Yo pas aller au-delà de ça. Ça veut dire vision yo, yo pas réfléchir. C'est ça yo va devant yo, c'est lui même pour gagner. On regarde bien. Ou après, ok. D'ailleurs, c'est ça, blanc Occident qu'on est. Blanc Occident, pape, j'aime bon Haïti programme. Les connaît nous pas qu'on lit. Son peuple qui pas qu'on lit. Qui est analphabète, qui est lettré. Ou après, j'aime pas, y a une discuter idée avant? Non! Y a offre yon individu. Y a prêté conscient au bon matin, ou rete, je nous sauver, qui sorti Washington, ou bien qui sorti dans le ciel, et puis vient tomber dans l'estomac. Et vous donnez, oh, y'a bon petit cop, y'a bon défaitol, et vous donnez, ouais, vivez-t-elle, ou pas qu'on lit. Est-ce qu'on parle chita pour dire, écoutez, qui projet intel gain? Qui programme ni? Qui ça le faire? Qui ça le fait déjà? Vous voyez, déjà? Côté, qui côté au passé? À 80% moun pas qu'on lit, pas qu'on écrit, qui ça le passé ou pas le faire? C'est fanatisme! Là, va coucher! L'analphabétisme et l'illettrisme, c'est base fondamentale pour déchirer une société en fanatique. Qui est-ce qui pour Morvan? Moi, mais Morvan. Qui est-ce qui compte Morvan? M'bavle ouais Morvan. Qui est-ce qui pour tété? Moi, mais tété. Qui est-ce qui va pour tété? M'bavle ouais tété. Qui est? C'est normal qu'ils soient respect en société, moun pas qu'on lit. Qu'ils soient respect.
Et si vous remarquez, les mulâtres et les sirops libanais, vous pas j'aime moi yo à faire caca comme ça parce que yo éduqué. Ou pas j'aime moi mulâtre, petit mulâtre sirops libanais. Chita, m'pointel. Moi c'est fanatique tete, moi c'est fanatique mavan. Et yo ou pas kawe ça pour qui raison? Parce que formé yo éduqué. Yo formé yo éduqué, qui s'est pas fait? Y a chita, y a gardé intérêt yo. Il a dit, est-ce que ça m'a dit, il a l'album pour moi, il a l'instance intérim. Est-ce que ça m'a, il n'y a pas pour moi, il n'y a pas pour moi, il n'y a pas pour tété. C'est ça tété à faire, est-ce qu'elle a l'intérim? Est-ce que je démarche tété, thématique tété à traité, ça m'a fait à faire, est-ce qu'elle a l'intérim? Est-ce qu'elle a l'intérim, moi, en tant que Milan, en tant que Silibon? Écoute, on va réfléchir, oui. Les regardez bien. Si on a l'avantage, yo. L'inan intérêt, yo! Qui ça va le faire? Ou pensez que vous va venir sur les réseaux sociaux, relé tété, relé vive tété, tété vraiment, tété I love you? Ou pensez que vous va faire ça? Si yo, ouel, l'inan avantage, yo, tété, yo gen intérêt, supporter tété, parce que tété, a parlé l'inan avantage, ou pensez que vous va parler, vous va venir dans ma live tété, tété, vraiment tété, non? Ou pensez comment vous va l'opérer? Y a brûlé tété, y a contacté lui, y a fait des offres. Mon cher travail, va faire vraiment apprécié son travail extra. Ou même gros peuple, gros zago, va connaître ça qui a passé. Ou va connaître ça qui a passé. Mon cher, moi mes travail, je me trouve extrêmement intelligent. Son travail est vraiment important que va faire. Comment on capable de, comment on capable supporter travail, wa travail wa vraiment noble. Comment on capable de, comment on capable supporter. Et puis écoutez. Il va dire, bon, écoutez, si tu vois, donc, et puis il va dire, non, don't worry about it. I got you. Don't worry. Et puis il commence à parler de l'aller dans l'entourage, négliger contrôle, yo, mais l'autre petit nègre dans la tête de négliger contrôle, et puis il voit l'argent, bah, et puis il dit, regardez, supportez tété pour moi, supportez travail tété pour moi. Et puis, petit nègre dans la tête de green, ça, yo, commencez pour travail tété, il a brûlé, il tété, c'est bon nègre, petit nègre dans la tête de green, tété, c'est bon bagaille, tété, parlez avec yo, tété. Écoutez, c'est l'argent, mille, la tasse, yo, libanais, il a travaillé. Et l'argent qui travaille. Mais qu'on s'attouche s'il va vouloir être tété. S'il travaille tété à faire pas bon bouli. S'il travaille tété à faire pas bon bouli. Ça va faire. La brûlée tété, elle commence à faire 10 menaces. Monsieur, bah, il va faire ou là, il va faire. Monsieur, m'a vraiment aimé ligne ou prendre, bah, ça y est. Et là, qu'est-ce qui va passer? Il va pas faire bruit en bas. Bah, yo, non, pas que j'aime la tire au Liban, il vient faire bruit en bas là, non? Yo, va le réfléchir où? T'as ouvert, réuni, t'es plus dans le laboratoire. Et puis, yo dit, bon, n'a pas mettons 200, 300 000 nous là, yo. Si yo garde des valeurs, si souffert, sous qu'a fait dégâts, si dégâts qu'a fait, vaut plus passer 200 000 nous là, yo prêt pour draguer 2 000 nous là. 200 000 nous là. Mais si dégâts, bataille va mener en pas vaut 200 000 nous là, yo va plaguer 200 000 nous là, non, pour faire même. Il y a pris les quelques malandrins, il y a pris les quelques autres monde, il y a pris les quelques ceci, et puis, il y a eu 200 000 dollars, et puis, il dit, il y a eu 100 000 dollars, 50 000 dollars, et puis, il dit, Jérémy, si. Jérémy, non, non. Maintenant, il y a plusieurs façons qu'à gérer le monde. Ou qu'à gérer le monde, physiquement, physique, outil, ou qu'à gérer le monde, en l'autre façon, ou à le battre pour discrédibiliser lui, ok, ou construire un dossier sous doli, ou construire un argument, ou on s'y en ceci, là, et pour là. Ah oui, sur la guinée, là, dans la c'est là, c'est là, albaï tête ou, c'est là. Mais comme ça, la réalité, aïe. Maintenant, beaucoup de raisons me disent ça. Beaucoup de raisons me disent ça. Beaucoup de raisons me disent ça, c'est parce qu'en quelque sorte, même nek qui compte li. Même soi-disant nek qui compte li. Qui t'a l'école. Yo fanatique. M'a regardé un jeune médecin. Nègla a étudié médecine. Dans l'école Aristide de Soti Lavalas. Gène qui, attendez, l'a étudié médecine. Li Soti Lavalas. Li entré pour médecine, l'a sorti, Soti Lavalas. D'accord? Bah, vous voulez, ça. Ou qu'a sorti la valasse, parce que la valasse a une idéologie.
Mais qu'on qui côté problème n'est? C'est coupable, j'entends des yo qui fait débat. Sous programme politique, sous projet politique, sous vision Lavalas, sous ceci. Non. Jamais! Première réflexion. C'est eux! Ouais! Boulez eux! Défis eux! Mais c'est la mentalité Lavalas. Et puis, nest oublié si le médecin. L'oublier s'ils sont professionnels ou mécaniciens de la santé. Oubliez ça. Lorsque sur les réseaux sociaux a demandé qui s'allie, oubliez. Bam titide, bam titide, c'est titide lié, bam titide, bam. C'est quoi cette bêtise? C'est quoi cette bêtise? Et nani vous en arrivez? T'avais dit nèg la gon carence. Parce que li pas formé inof, li sont mécaniciens de la santé, li c'est docteur, li c'est ingénieur, li c'est avocat, mais pas de formation idéologique. Nèg la pas formé. Il manque formation en tant qu'intellectuel, li pas ka réfléchir, réflexion pas ka aller au-delà de cadre idéologique li là dedans. Li pas ka aller loin au-delà de cadre la valasse là. L'esprit le restreint. Même bagay la tout pour PHTK. Même pépé plan, ou mettre un néglaté qu'on lit, ou mettre un néglaté ceci, cela. Laisse question pays, il n'est pas capable de quitter le cadre là. Il n'est pas capable. Faut toujours battre pour le descendre, nous, dans le niveau. Cadre lié, cadre idéologique lié, tête calée. Journaliste, et beaucoup de c'est-à-dire l'esprit militantisme, l'esprit partisan, l'esprit fanatique, c'est lui-même qui privilégie, qui priorité. C'est pas l'esprit, c'est pas l'esprit critique, c'est pas la réflexion, c'est pas bagay ça qui privilégie. C'est-à-dire que néglagon l'esprit sectoriel partisan, il ferme tête là-dedans, il pas aller loin. C'est normal, oui, alors c'est ce qu'on appelle conviction politique. C'est un droit. Mais, sous son intellectuel, sous on est à l'école, faut apprendre aussi, sortir d'un cadre, yoba wa pour garder plus loin que ça. Faut qu'à sortir d'un cadre là-bas, là, cela, pour réfléchir de façon holistique. Faut qu'à sortir d'un cadre, PHTK. Pour aller plus loin pour un pays, faut qu'à sortir dans le cadre, un petit parti politique, pour ce phénomène qui traverse le pays, pour faire une analyse systématique de société, pour produire une réflexion globale, qui est là-dedans, où il doit analyser, où il doit comparer, où il doit, ouais, est-ce que, démarche Lavalasla, Abibon, ou bien est-ce que démarche PHTK, qui s'est expliqué, paragonchi ensemble pour jouer un consensus, qui, ou aller au-delà. Ou pas capable. Comment on va faire? Comment on va faire sous bon l'école? Comment on va faire? Comment on va faire si tu m'expliques nous bien. Avant, moi te comprendre, je te connais. Je vais te donner un exemple. Je vous dis ça. Quatre fois, ouais. Yo tout fait débat avec. On va expliquer nous pour raison yo fait débat avec. Et pas connaissance moi qui passe yo non. Méthodologie. Si bon don yo te fait un cadeau en France. Pendant m'avait étudié, c'est la méthodologie. Yo fait me passer 2 ans à faire méthodologie. 2 ans. Pour me concentrer seulement sur méthodologie. Nous avons des problèmes de réflexion, problèmes d'analyse. Ok? Vous apprenez moins à identifier les biais cognitives, argumentation, contre-argumentation. Comment? C'est, écoutez, des techniques de débat. C'est une kefouli. Vous apprenez moins ça. Méthodologie. Moi, je ne comprends pas si méthodologie, c'est une science.
à qui méthodologie à la fois science et art. C'est Gros Roger. Maintenant, dit des sujets transversaux. Ok, dit des conseils de sujets transversaux. Faut capable d'aborder des sujets ça de façon multivariable. Écoutez, il y a des faut capable de comprendre qui cadre opérationnel. Ou à penser, monsieur, j'ai m'a réfléchi, m'a écrit. Yo bon mon sujet pour me traiter. On traiter sujet assez. Et puis professeur m'a dit écoutez, les amis dit sous deux mois. Et le professeur m'a dit mais c'est bien. Mais il m'a dit qui analyse moi, hein, réflexion non. OK? Ça me produit hein. Qui pivote? Ce qui ça le pivoter. Bon, sous pas de méthodologie, comment pas faire comprendre sous qui ça argumentation pivoter. Parce que c'est là que je vais comprendre. Là, elle dit, faites attention, pas j'aime bien monde qui parle libre. Tout le monde produit une pensée femme à partir d'un cadre. À partir de yon pivot. Qui compte sous qui pivot appuyer pensée pour parler. Mais pourquoi vous ne m'avez pas comme ça? Il mettait chita à prendre sa pivot. C'est-à-dire base qui servit comme assise pour me construire pensée. Base qui servit comme assise pour me construire réflexion. Base qui servit comme assise pour me construire analyse. Maintenant, faut qu'on base. Faut qu'on point d'appui. Faut qu'on pivot pour appuyer sous lui. Sous perdu une analyse non faut qu'on retourne sous pivot oui donc faut qu'on cadre référentiel mais faut conscient de lui sous pas conscient de cadre là on va monter m'a ba nous exemple m'a ba nous exemple nous tous des intellectuels en Haïti tout nèg en Haïti qui intellectuel c'est après m'vinn qu'on est tout cadre référentiel de l'Occident oui. Allez, pendant 200 ans, nous gagnons dans le pays d'Haïti. Toute l'élite intellectuelle là, jusqu'à journée aujourd'hui, on m'a parlé avec vous. Cadre référentiel, c'est l'Occident. Allez, toute production intellectuelle qui fait entrer dans le pays, il va faire entrer de cadre. Occidental là non même l'elle critique elle même l'elle même l'elle pas critique l'Occident il pas qu'à faire en dehors cadre là il pas capable parce que en réalité tout nèg ou prend comme intellectuel en dedans toute formation au fait en Occident maintenant. Le piège qui a fouillé tête de la donne, il a plutôt à discuter les contradictions internes en dedans l'Occident qui est sorti dans l'Occident. Moi, je dis ça, moi, je dis encore. Tout n'est qui formé à l'Occident, ou après, au pied à l'aise pour discuter les contradictions internes à l'Occident qui est sorti en dedans l'Occident. Maintenant, pour qui raison on va sortir en dedans dans l'Occident? Pour sortir en dedans dans un cadre, faut qu'on n'a qui cadre ou braler, oui? Pas de néant, non? Alors, avec un monde qui dit, mais comment monsieur fait dire ça? C'est ça Jésus dit, en l'autre façon, oui? Il dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Demeure là, c'est cadre référentiel, oui? Demeure là, c'est cadre, yo, yé. Elle a dit que de vous sortir dans l'un, faut tomber dans l'autre. Problème qui vient, c'est que, le monde actuel est structuré par un ensemble de cadres. Les tinèques noirs qui étudient l'Occident, t'as envie de sortir dans le cadre occidental là. Faut l'État au moins choisi yon le cadre référentiel pour le fouiller tête li. Si me dis ma sortie dans le cadre
occidental là, mais faut m'gon l'autre cadre pour me fouiller tête. Maintenant, pas gon enjeu. On dit que m'quitte cadre occident. Occident pas servir de référence. Maintenant, si m'pas le fouiller tête, nous l'autre cadre. Mais l'autre cadre là, des concepts li, li gen logique li, li gen et méthodologie li gen mode opératoire li, OK, li gen langage li gen discours li gen vision li gen conception li gen idéologie li gen représentation li gen discipline li gen en quelque c'est tout un arsenal. C'est un système bien organisé avec toutes ses ressources, toutes ressources li, toute vision li, toute infrastructure li gen tout. Maintenant là vous sortez. OK, on décide de sortir dans cadre occident pour montrer dans l'autre cadre. Maintenant la problématique c'est que cadre où entrer là dedans son cadre dominé li oui. Et problème dans ça. Et problème dans ça, n'est-ce que vous confrontez? L'esprit en va imbécile. Lorsque en Occident, quand vous prenez l'entrée tête là-dedans, c'est un cadre dominé lié. Parce que l'Occident, dans le cadre référentiel lié, c'est le cadre dominant. Dans le cadre rapport. C'est-à-dire que, qui intérêt va gagner en tant qu'intellectuel qui étudie en Occident, pour l'entrée tête dans un cadre qui est déjà dominé. M'allez expliquer nous ça. Qui est derrière on est pas le gagné? Pour un diplôme aux États-Unis, Canada, dans le monde occidental, qui gagne une certaine valeur sur le marché mondial, et puis, pour le quitter, pour le prendre un diplôme en Afrique. La réalité est que l'Afrique dominait. L'Afrique pas seulement dominée au niveau de la pensée, l'Afrique est aussi dominée au niveau de l'infrastructure. Mais de qui était m'bral prendre, m'bral identifier l'esprit à un cadre qui a subi domination, qui est victime. Maintenant, faut que ça fasse violence psychologique sous tête li en pili pour le faire travailler ça. Mais quand elle va les problèmes. Sous faire travailler ça, c'est qu'on sous-estime la puissance du cadre référentiel occidental. T'as bien ça me dit là? T'as c'est normal qu'il a existé. C'est normal si le cadre a existé, il domine. Parce que nos rapports avec d'autres cadres, c'est ça qui fait le dominer. C'est toujours dans un cadre de rapport où vous parlez de dominer. Le dominer, c'est pas parce que c'est le seul cadre, non? Référentiel, non. Le dominer, c'est parce que l'inscrit est dans un rapport. Si je dis dominer, c'est parce qu'il y a d'autres cadres. Mais d'autres cadres, ça alternatives. Pour ta inscrit tout là-dedans. Qu'on y a, il m'a des courage. Pour qui raison il m'a des courage? Pour créer dans le monde des forces. Parce qu'en réalité, l'autre est sorti étudier en Afrique. Ou bien l'autre est sorti étudier en Chine. L'autre est en Haïti. Ou bien sorti étudier comme on l'est et Russie. L'autre est en Haïti. La difficile, oui. Pour imposer où? Pour qui raison la difficile pour imposer où? Parce que cadre référentiel ou identifié tête ou avec là, il domine dans l'espace haïtien. Son cadre référentiel qui pas kakembe. Parce que la mentalité, l'ensemble des intellectuels, de la classe intellectuelle, yo choisi stratégiquement cadre l'Occident pour des intérêts mesquins. Ou même ou vini avec. Ok? Ou vini avec yon lot cadre référentiel qui sont en Chine. Yon lot cadre référentiel qui sont en Russie. Yon lot cadre référentiel qui sont
en Afrique. Maintenant, comment on peut le vendre? Comment on peut le... C'est là le problème. Comment on peut le vendre? Maintenant, l'offre présentée. L'offre présentée, Kadla. Qu'on y a metté Mounio dans la situation. Mandé Mounio entre États-Unis, la France, Canada. Yo t'a remé aller avec la Russie, avec la Chine, avec Afrique, mandé yo qui côté yo t'a remé aller. Mandé yo qui côté. Listen carefully. Ouais. C'est un gros dilemme, oui. Ou la gemoun non la. Ou la gemoun non dilemme. Ou présentez le cadre référentiel qui a bon bouli. Ou dit l'écoutez. Mais cadre référentiel, moi, pour nous. L'Afrique. Le panafricanisme. Ok? Et la Chine. L'Occident. Si nous rentrons dans le cadre référentiel, ça, hein? La bon pour nous parce que la permet nous résister à l'Occident. Oui, la permet nous résister. Mais les gens n'ont pas de misère, ils déjà non posture de résistance. Qu'on y a mette dans la situation pour le choisir pour petit li, qui côté pour le voir petit li. Ou fin présenter cadre la balle. Qu'on y a dit, ok, bon, qu'on y a choisi. Entre États-Unis, Canada, la France, la Chine, la Russie et l'Afrique. D'abord, vous-même, qui ça va passer? C'est ça. Elle, là, on parle de dominance. C'est là, on parle, rendre compte que quatre référentiels, ou choisir, hein, pour identifier tes droits avec là, son quatre référentiels dominé, il va dominant. Eh, on parle, t'as parlé de, bah, il m'en fout. Bah, l'Occident. Ok? Bah, l'Occident. Maintenant, ouais, c'est gorosé. Alors, l'enjeu ici, l'enjeu de taille, l'enjeu, le trait de taille. La femme toujours dit ça. Moun qui chita souvent l'école pas fanatique. Mais après, dis encore. Moun ou qui te chita souvent l'école. Réellement. Pas qu'à fanatique. Jamais. L'esprit interdit le fanatisme. L'esprit interdit ça. Dieu doit choisir une idéologie pour l'identifier tête d'Yahweh. Même idéologie, ça choisit. En tant qu'on est qui chita sous bonne école, il y a capacité pour réfléchir sur l'idéologie. On dit, moi, identifier tête, moi, au marxisme. Comme courant philosophique et idéologique. En tant qu'intellectuel, je me dis que, ok, moi prends idéologie marxiste, non? Moi évalue idéologie marxiste, non? Moi analyse idéologie marxiste de façon critique. Moi garde bien tombé idéologie marxiste et apport que le carbone moi dans la société, non? Et puis d'effort, moi dis écoutez, j'adhère. Attendez-vous? J'adhère. C'est un choix idéologique, m'adhérer à l'idéologie ça. Maintenant, m'aller plus loin. Je dis, ok, je vais faire une analyse comparative entre l'idéologie marxiste et l'idéologie capitaliste. Ok, m'aller idéologie capitaliste, non, et bien m'étudier. Je fais historicité, généalogie. Je garde fondement philosophique li. Je garde fondement axiologique li. L'emphine analyse et bien garder retomber li en tant que, non seulement en tant que courant idéologique, mais aussi en tant que système. Et puis m'garder qui n'a deux ça qui s'accap bon pour moi. Maintenant, si m'son intellectuel qui raffiné, m'bap seulement faut analyse comparative, non? L'emphine tire conclusion, dans analyse comparative là, m'fine fait. Méthodologie m'a banou là, oui. Si je suis un vrai intellectuel,
vrai intellectuel. C'est une alternative, oui, m'va chercher. Elle a dit, m'va le poser une problématique. Comment situation haïtienne, journée aujourd'hui, capable de bénéficier ni de marxisme, ni d'idéologie capitaliste? Maintenant, en fonction de la spécificité de la réalité haïtienne, mon pral produit yon idéologie qui pas ni marxiste, qui pas ni capitaliste, mais qui en quelque sorte haïtienne, typiquement adaptée à la réalité haïtienne. T'aimerais dire ça me dit là. Pour un peu le monde va comprendre. M'a pas le coup, il dit ok, c'est marxiste, non. M'a pas le coup, ok, dit c'est communiste, c'est capitaliste, non. Écoutez, l'histoire nous a démontré, marxiste, fait expérience, les faits historiques sont là. Capitaliste, les faits historiques sont là. Maintenant, regardez la réalité du pays. Maintenant, je vois que la situation de mon pays, les spécifiques, qui ont une réalité propre à Haïti. Maintenant, sur la base de cette réalité, est-ce que je vais prendre une idéologie marxiste, je vais la donner? Je vais réfléchir aux conséquences. Est-ce que je vais prendre une idéologie capitaliste, je vais bourrer la donne? Non, je vais réfléchir aux conséquences. Maintenant, qui ça me dit? Me dit écoutez, me va servir avec réalité maintenant comme base. Me va servir, me poser idéologie comme action, même pas va servir avec comme base. Me va confronter en quelque sorte ces idéologies à la réalité pour moi dans qui degré au cas corroborer avec réalité locale moi. Maintenant, à chaque limite moi joindre réalité à réfuter. Alors c'est ça la démarche scientifique. La démarche scientifique pas dit que me poser un bagage puis pour me prouver que le vrai non 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 non. T'aimes dire non ces bagages. T'aimes redire ça me dit encore. Bien un ami m'a parlé avec elle. Et puis monsieur dit me comme ça, monsieur a expliqué une démarche scientifique. Méthodologie scientifique. Et puis monsieur dit me comme ça. Ou pas la confusion, il y a pile qui fait confusion ça. Et puis monsieur dit me comme ça. Mon cher me poser hypothèse moi, ça m'avance à théorie qu'on y a l'ambre le vérifier dans la réalité. On dit oh, s'il vrai, on va vérifier s'il vrai dans la réalité. On dit oh. Ça veut dire. On dit pour quelle raison que t'en dis s'il vrai? C'est que on va chercher pour voir s'il vrai. C'est pas ça la science. La science pas va chercher si on la science, la démarche scientifique, pas va chercher si on bagaille vrai. Non. Ou bien t'en dis ou pas chercher s'il vrai. Ou bien théorie, ou bien hypothèse, non? Ok? Hypothèse à m'poser, qu'on y a m'bal gade pour moi s'il vrai. Comment on va regarder s'il vrai? Oh oui, c'est des maths scientifiques. M'dis non, mon cher. Ça n'a pas aucun rapport à des maths scientifiques. Ça sont baèzes liés. Parce que le bon dit, l'idée est ce qu'on appelle yon baèzes cognitives là-dedans. Des maths en soi. Monsieur Tissot, le dit pas là. M'dis non. L'ordre est une hypothèse. C'est pas vérifié, on va vérifier s'il vrai, non? Démarche, là, consiste à refuter hypothèse-là. Et ça, démarche-là. Tout ce qu'on va faire avec hypothèse-là, c'est pour qu'elle joigne qu'elle n'est pas vraie. Et pas pour jouer qu'elle est vraie. C'est pour qu'elle joue qu'elle n'est pas vraie. C'est ça, des maths scientifiques, là. Parce que le jour, gogozé, ou pas qu'à venir avec, ou avec démocratie, on est dans le pays d'Haïti, et pour pas le garder pour être s'il marche, si démocratie a vrai. Non. Et pas ça. Ou pas qu'à venir avec démocratie, ok? Non, la réalité, l'ila pour le refuter, toute sa réalité à pas refuter, c'est l'île vrai. C'est l'île témé. Mais du moment qu'on partit du postulat,
que ou pral garder et démocratie marcher tout côté, démocratie à vrai, m'pral garder s'il vrai en Haïti. Able du pral fait tout effort pour s'il vrai. Mais pas logique ça. Logique c'est pour garder pour s'il pas vrai en Haïti. Qui limite li? Et ça pral garder oui. C'est ça la science parce que l'homme d'une limite li qu'on y a ou même ou pral produire réflexion pour faire la science continuer à avancer. C'est ça. Ou pas chercher pour, est-ce que, soit avancé, là, comme hypothèse, ou comme théorie, est-ce que livré? Non. La science pas chita sous ça. Parce que debout, j'ai une vérité, le tout capé. Non. La science, a dû continuer. La science doit avancer. Logique, la démarche, là, consiste à tester, faire pas qu'aimer. M'a pas tester la science, m'a pas tester une théorie ou bien un théorème, m'a pas tester un bagage, pour moi, s'il marche, non. M'a pas tester, pour moi, s'il pas marche. C'est ça, m'a cherché. M'a cherché un bagage qui pour casser Djol théorie. Objectif, mais c'est mener démocratie en Haïti pour le casser Djol li. Mener idéologie marxiste en Haïti pour le casser Djol li. Mener idéologie capitaliste en Haïti pour le casser Djol li. C'est ça. Maintenant, l'autre dit Haïti pauvre, Haïti pas pauvre. L'autre essaie toute théorie en Haïti, il pas marché. C'est pas bon, Haïti pas bon. C'est que Haïti démenti toute théorie, c'est ça lié. Haïti a une spécificité la Cali qui fait démenti toute théorie ça. Ça me le dit par là. Haïti refusait conformer la réalité Haïti haïtienne, l'inscrit dans une dynamique de résistance. Elle a dit que la réalité haïtienne est typiquement là pour montrer les limites de ses idéologies. C'est ça. La réalité haïtienne. L'homme vient avec marxiste, marxiste prend coup. L'homme vient avec capitaliste, capitaliste prend coup. L'homme vient avec démocratie, démocratie prend coup. Parce que la base de la réalité haïtienne, c'est une posture de résistance. Maintenant, nous sommes incapables pour nous produire une idéologie. Pour nous penser en idéologie. Par rapport à l'idéologie dominante. D'où l'épistémologie. Good. Exactement. D'où l'épistémologie. Cet effort qu'on va le faire. Ok? C'est effort ça. On va le faire. Pour capable, dit quête. Haïti, refusait toute idéologie ça. Haïti inscrit tête li dans dynamique de non-conformisme. L'inscrit tête li, c'est l'esprit qui anime Haïti. Parce qu'en réalité, idéologie là, est dans l'essence li. Idéologie haïtien, passe au l'autre bord. Idéologie haïtien, c'est ça Haïti a, oui. C'est ça qu'Haïti a. L'idéologie, l'essence d'Haïti, c'est la résistance. C'est-à-dire, principe de base pour construire une idéologie, un schéma de pensée, un cadre référentiel pour Haïti, c'est sur la base de la résistance comme principe fondamental pour construire. C'est pas sur la base d'intégration, c'est pas sur la base pour non de conformisme. Non, c'est une raison qu'il faut nous arriver là dans problème dans des pays ça à chaque fois que nous importer, nous derrière importer une idéologie, une théorie, oh oui, il marche tel côté, oh oui, il va résultat tel côté, oh oui, non. Haïti a un esprit qui est propre à lui-même. Maintenant, nous pas reconnaître esprit ça. Maintenant, qu'on est forme d'amé ton chita pour nous dire, qui esprit lié. Parce que c'est un esprit qui inscrit nos dynamiques de résistance vis-à-vis de l'ordre mondial. C'est la mission d'Haïti. Haïti pas prendre naissance pour l'intégrer l'ordre mondial. Haïti pas prendre pas venir à l'existence pour intégrer l'ordre mondial. Non. C'est ça l'état pétion vinn ba ou. C'est ça l'état pétion vinn faut comprendre.
Non, Haïti prend existence li, vini à l'existence pour capable accoucher yon nouvel ordre mondial. Et ça, la raison d'être d'Haïti. Haïti pas vini, pas d'ailleurs. Haïti s'est construit. Haïti s'est construit. C'est par rapport à l'Occident, Haïti vient à l'existence. C'est pas non concomitance à l'Occident. Guillaume Zamit a dit moi oui, garder démocratie a marché et côté Corée du Sud, garder démocratie et Corée du Sud a développé, Taïwan a développé, ceci c'est là développé. Moi dit écoutez, ou pas qu'à comparer Taïwan et Corée du Sud avec Haïti. Corée du Sud, Taïwan, yon inscrit tête yo dans yon perspective occidentale, oui. C'est comme ça yo yé, c'est ça te fait là. C'est par rapport avec communisme yon existé. C'est-à-dire que qui modèle qui t'a bataille contre communisme, c'est modèle occidental là, oui. Capitaliste. Qui t'a bataille, c'est normal pour vous épouser face avec communiste, non, communiste, c'est normal pour vous gagner. C'est lui-même, en quelque sorte, qui baigne existence. C'est normal pour épouser modèle là, c'est ça lié. Lui marche pour vous, parce que l'esprit, hein, t'es épousé. Même dire, mais écoutez, dans le cas d'Haïti, c'est pas colon blanc qui te ban nou indépendance. C'est esclave qui te bataille pour indépendance. Contrairement avec les États-Unis. Les États-Unis, c'était les colons blancs, anglais, oui, qui bataille pour indépendance, qui ont fait la révolution anglaise et américaine. C'est sur l'autre catégorie. Schéma de pensée, c'est des bails différents. Gonne qui dit, oh oui, bon. Bolivar. Mais, ou sérieux? Ensemble de révolutions qui fait en Amérique latine. C'est révolution colon blanc, colon, oui, ou Colombie. C'est révolution colon. C'est pas la révolution esclave, yoté. C'est mon seul révolution esclave qui fait. C'est Haïti, oui. But guys, you need to understand those things. You need to understand. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait pète sur Teddy Bolivar. Map Edo. Mais on se le bagage libéré esclave, oui. T'as supporté. Mais, regardez pour qui est Bolivar, t'es? Regardez pour qui est Bolivar. Parce qu'en réalité, tu me suis bien pour nous comprendre. C'est ça que là, m'a parlé, m'a dit nous, l'état de Salines, à l'état Pétion, c'est deux états complètement différents. L'état de Salines, c'était un empire. L'idée en vision pour accoucher au nouvel ordre impérial. Politique étrangère, l'état de Salines, c'était aller combattre dans les colonies, libérer les colonies, et puis faire intégrer entre en bas empire des Salines, ok, sous forme d'expansionniste, et puis établir des gouverneurs dans leur colonie, lorsque vous finissez chasser colonies. Mais Pétion lui-même en tant que mulat, il n'y a pas d'intérêt à libérer Tinek dans tête, non? Il n'y a pas d'intérêt. Il n'était pas esclave. Tout ce. Petit pas d'esclave. Boye pas d'esclave. Qui intérêt au gagné pour libérer esclave qui dans Caraïbes, qui Cuba, qui Panama, qui. Des noms qui vont fuck! C'est pas intérêt. Maintenant, les enfants pour indépendance. Les nègres ont rendu compte que des Salines viennent avec une vision impériale pour établir un nouvel ordre mondial
qui chita sur certaines visions de l'homme, en anthropologie, qui chita sur certaines visions du monde, yon cosmogonie, yon que problème avec Dessalines. Et Dessalines dit yon nous va continuer bataille. Dessalines met ton économie de guerre sous pied. Dessalines commence à dire faut libérer l'autre colonie pour établir. C'est ça fait de sa premier travail Dessalines, libre à l'entrée, ce qu'on appelle la campagne de l'Est. Les au fin prend, les Dessalines fin prend partie de l'Est là pour descendre Porto Rico, pour tomber Cuba, pour tomber. C'était l'objectif de l'empire, c'était la vision de la politique étrangère de l'empire de Dessalines. Mais pétition pas tenir logique ça, les mulats pas de al prendre risque. D'ailleurs, yo déjà en miniature en numérique effectif là t'es pipiti. Ou pensez qu'on va prendre risque? Yo fin chasser colon nan et c'est blanc yo besoin chasser, qu'on y a yo vinn gen terre nan men yo. Yo besoin travail la terre pour faire quoi? Pour vivre bien. Côté au gain temps pour y aller nan, côté au gain temps pour y aller nan pays pour y aller libérer et ces city nèg doit être grain qui esclave. Côté au gain temps, côté milat qui côté milat t'as pas fait ça. Milat la rêve lui, c'est fait papa l'accepter lui qui c'est l'Occident pour prendre mandé d'ailleurs c'est la raison pour laquelle, OK, c'est la raison pour laquelle que Pétion pral mette en place une république. Et vous n'êtes pas mettre une république en place, oui. Eh ouais. Il va mettre en place en république. Une république. Maintenant, tu me dis non, tu vas gagner. Pour les gens qui pensent, ils vont résoudre le problème. Toute idéologie, toute théorie, toute philosophie, toute cosmogonie qui va en conformité avec l'esprit originel ou banane, ou pas on doit jouer un résultat là-dedans. Ou bien doit jouer un soulagement, mon bagage un résultat. Raison pour que raison, parce que nous ne comprenons pas l'importance de l'esprit. On résiste avec l'esprit. L'esprit sert à résister. L'esprit, de par nature, de par essence, nature, essence, li, c'est de résister, pas de conformer. Pas de se conformer à la réalité. Le professeur dit là, écoutez, c'est gogozé. Qui ça l'esprit a testé? L'esprit là pour le tester endurance. Li. L'esprit là, dans la réalité, hein, pour tester conviction, caractère, personnalité, dignité, existence, li, essence li en tant qu'esprit. Maintenant, du moment que l'y intégré, l'y suspend en esprit, l'y vient aliéné. Du moment que l'y conformé, l'y suspend en esprit, parce qu'il est zombifié. Parce que essence esprit, c'est la liberté ontologique. Professeur, qui sont dit là, c'est fini. Moi, je fais une philosophie avec nous tout petit. L'essence de l'esprit, c'est la liberté ontologique. Liberté ontologique. L'esprit, il est là pour le dire qui ça qui will, à qui c'est pas will. C'est ça, résistance. C'est ça qui fait esprit. Il est là pour expérimenter la réalité. Il est là pour agir sur la réalité. Il n'est pas là pour conformer à la réalité. C'est l'esprit qui décide de qui ça qui réel pour lui en fonction de ses intérêts, de identité, de essence. Li. L'esprit n'est pas là pour conformer à la réalité. Oui, c'est la réalité. C'est la réalité. Quoi? Toute réalité est une construction. Oh, oui, c'est la réalité. C'est la réalité de qui ça? Tout ça accepté pour vous, il vient vrai. La puissance de l'esprit n'est pas là pour le conformer. L'esprit n'est pas là pour le conformer, n'est pas là pour l'adhérer, n'est pas là pour l'approuver, n'est pas là pour marcher, pour le marcher derrière et bagarre. Non. L'esprit, elle est là pour endurer
Les essences esprits, c'est endurer. C'est supporter. C'est raison d'être l'esprit. Pour l'endurer, pour le supporter, et puis pour le maintenir. Essence. Pour le maintenir, garder, sauvegarder, préserver. Raison d'être lui. Parce qu'en réalité, le monde des esprits, il y a des esprits prédateurs qui là pour manger esprit, avaler d'autres esprits. Et c'est ça, l'esprit prédateur, ça, yo exprimé sous forme de cadre référentiel. Gonzami qui a l'école, ou Gonzami qui passait dans l'université, et monsieur son docteur, monsieur son PhD, et monsieur n'a pas les pompes doctorales, et puis, monsieur, ma faut y échanger avec monsieur, et puis, pendant ma fête y échanger avec monsieur, et puis monsieur dit, mon cher, la voici, on connaît monsieur docteur, qu'on y a, ma peine propre PhD, moi là, et mon doctorat, moi, dans tel bagage, m'dit, ou si vous prenez doctorat, monsieur dit, oui, m'prend doctorat, m'dit, non, ou pas prendre doctorat, ou échanger l'esprit, ou. Monsieur dit, sauf les dix balles, m'dit, oui. Blanc prend l'esprit, ou, les bons bouts de papier. C'est une marchandise. Monsieur dit, sauf les dit, exactement ça, on nous l'a li blanc prend bouin nous et puis li bon bout de papier comme autorisation, comme licence pour parler. Il dit sauf le dit voilà, on dit est-ce que on dit c'est ça fait l'arrivée ou toujours mettre PhD devant? Non, parce que en réalité essence ou tout ça pas dit pas chita sous essence ou sous l'esprit encore. Tout ça pour l'avancer, c'est sous base diplôme. Yo ba wa. Par un yon bal dit. Qui tirait de essence pa ou. Nadam. Monsieur dit, ça me le dit pas là, monsieur. Ça me le dit pas là. Tout ça ou est au sot foué dans la tête ou yo là. Yo boti bout de papier à vous dit son esprit qui le dit. Son esprit qui a accouché connaissance là. Mais monsieur dit semble dit qui quel a été? OK, quel a été le premier esprit qui t'a accouché connaissance? Il était connaissance là déjà? En vertu de qui ça a accouché connaissance? C'est parce qu'il était confronté à la réalité. Il pas besoin de diplôme, il pas besoin d'étude, il pas besoin de savoir, il pas besoin de l'état. Il n'y a pas besoin de passer académiquement pour te dire non. Lorsque l'esprit humain est confronté à une réalité, l'esprit humain est confronté à la réalité, c'est par essence même pour l'ajuster, pour le survivre. C'est dans son essence, c'est sa nature. Il faut le résister au phénomène naturel pour le produire. OK? Pour le produire, il y a un ensemble de connaissances, de outils, de techniques. Pour l'assurer sur Vili face avec la réalité. Ça te présente les balles là. Et à partir de là, l'esprit a construit propre réalité pâle qui pour assurer sur Vili. Est-ce qu'elle est à l'école? Il va aller à l'école. Est-ce qu'elle est à PhD? Il n'y a rien de PhD. Mais confronté à l'animosité de la nature. Confronté avec qui ça nature là, a profil comme obstacle. L'esprit humain pas besoin de diplôme. Il n'a pas besoin de ceci, c'est là. Il dit besoin essence comme servile de base et volonté pour le survivre, endurance li, et puis pour la coucher, pour le créer réalité pâle. Pour bien être li. Nous disons ça nous manque en dedans pays d'Haïti. Nous pas gen esprit sa yo. Esprit sa yo, yo vin tourner des esprits prostitués en Occident. Nous avons, nous dit, l'oral pour un doctorat en Occident ou son esprit prostitué. Ou al prostituer l'esprit ou.
Et puis, ou fin prostituer l'esprit ou fin coucher avec esprit occident et puis esprit occident bon papier comme autorisation li paye ou. Ou pas dit le papier ou. Li récompense ou. D'ailleurs, ou tellement fier. L'on paraît, faut dire j'ai été à Paris, j'ai été à ceci, j'ai été à cela, moi j'ai un PhD, moi j'ai ceci, cela. Pas n'y a sorti de là. Après, il y a des qui ont un problème avec moi. Il y a des qui ont un problème avec moi, les abdi dit non. 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 Gena kiraim. Maintenant, gros problème qui pose. Si penso Occident, l'esprit prostitué en Occident, manjo Occident, so a boue l'Occident, j'en aura réfléchi l'Occident, nan ki mesure ou pral sot, comment pral fait soti en bas l'Occident? Révolution mentale sa pire. Yon révolution coup de jamoui. Révolution mentale la pidi. Que révolution de Saline te fait l'el prend zam. Que révolution Cuba. Que révolution. Gade, révolution mentale, c'est bagay qui pidi. Combattre contre les structures mentales. Défier les structures mentales. Révolution, ça, pis dur. Parce qu'en réalité, les structures mentales, y'ont contrôlé mode de pensée, y'ont contrôlé comportement, y'ont contrôlé parole. Car il n'y a pas bah, de pème, non. Car il n'y a pas de faire des bars avec réfléchi. Bah, dit le pème, bah, dit mon pème. Bah, avant de faire un débat avec lui, faut réfléchir. Une bonne tête, non. Une bonne qui l'esprit mieux. Faut réfléchir. Bah, ok, nous pas faire des bars pour faire des échanges, mais faut réfléchir en pile. Avant de venir. Souvini. Pensez qu'on parle de nous, ou parle de poté bourré sous moi. Parce qu'on étudie en Occident, ou bien on a PhD, ou bien master, ou bien doctorat, avec la pensée occidentale, ou caca. Ou font une erreur grave. Souvini sous moi. C'est avec théorie occidentale. La pensée, les courants de pensée occidentale, philosophie occidentale, l'histoire du monde occidental, ou pas une pote bourré sous moi, ou caca. Parce que nous connaissons qui perspective et qui assise qui pivot l'esprit m'gain ou chiré. Ou chiré. Quand on va venir dire, moi, je me propose un nègre qui connaît. Bon, ou pas qu'à dire, bon, nègre, je propose un nègre qui connaît. Je fais des jours en occidentaux. Vous faites des jours dans l'université occidentale. Et là, je m'étudie là-dedans tout. Ou pas qu'à dire ça. Mais cependant, il y a un bagage que je fais, que vous pouvez faire. Il y a deux avantages que je fais. Et c'est là que je bats. Il y a deux gros avantages que je fais. Et c'est là que je bats. Vous mettez pour pied, dit. Ou mettez un doctorat, ou mettez un post-doctorat dans l'université États-Unis. Ma battu. Résulte que ma battu, c'est parce que l'esprit me libre. Vous comptez prendre le premier bagage, vous allez dire interdit. Premier bagage, vous allez venir avec cadre référentiel, comme disait ceci, comme disait cela, comme disait côté ci, comme disait. C'est normal, vous allez venir avec un cadre référentiel. Cadre référentiel ou? Bon, c'est celle-là, mon gars. Moi-même, moi, j'ai un esprit libre qui navigue entre les différents cadres.
Et là, il y a une clé. Avantage, moi, j'ai un mot sous, ou même un pied, moi, j'ai une clé. Je peux passer de cadre à cadre. Je peux ouvrir la porte, ça, m'entrer dans tel cadre, je saute dans tel cadre, m'entrer dans l'autre cadre, ça, je saute dans tel cadre, je tombe dans l'autre cadre, ça, je saute dans cadre, ça, m'entrer dans cadre, ça. Ou qui doivent chercher dans cadre, ça, ou pas, j'en ai. Je peux ouvrir la porte, m'entrer dans l'autre cadre longtemps. Je peux chercher dans cadre, ça, ou pas, j'en ai. Je peux ouvrir la porte, m'entrer, ou même, ou quand on est l'esprit, ou, dans un seul cadre, cadre d'Occident. Bon, si je m'en donne, combien de cadres référentiels qui viennent dans le monde, là? Ok. Si je m'en donne pour faire cartographie référentielle, monde, là, vous m'en avez pas grave. Il va grave. Et en fait, si monsieur qui étudie sciences politiques, yo, en Haïti, ou après, vous parlez de Montesquieu, il y a parlé de Hobbes, il y a parlé de Le Prince. Tendez bien. Montesquieu, Hobbes, Locke, Le Prince, ça c'est les contractualistes. OK? Le Prince. OK? Machiavel, il a accouché l'état moderne. Maintenant, entendez oui. Sur vous un schéma. Sous descend anti-Jean Piba. Ou après si monsieur étudie sciences politiques, il y a parlé de la démocratie athénienne, la démocratie athénienne, la démocratie ceci, antical Platon, la République de Platon, ceci cela. Ça a des cadres référentiels là. Yo get en clair sous lui, pas gen menti de sorti la dame. OK, l'animal était l'homme était un animal politique, Aristote, tout petit petit à petit, regardez. Pas grand rien, yo va ka sorti. D'ailleurs, va ka sorti en dehors. Dès qu'il n'a pas libre parler de John Kelsen et de Kelsen, libre parler de hiérarchie des normes, libre regardez, pas gen menti la dame, caractéristique de la démocratie, OK, l'état de droit, whatever the fuck it is that. Toute thématique, toute là, en Occident. Mais s'il n'a économie. Ok? S'il n'a économie. Libéral parle de qui ça? Libéral parle de David Ricardo. Libéral parle de Adam Smith. Libéral parle de Ken, ok? De Keynes, John Maynard Keynes. Libéral parle de Marx. Libéral parle de Milton Friedman. Libéral parle de monétaristes. Libéral parle de t'as gagné, compliqué. L'Occident pire raide. Elle pas qu'à sortir la donne. Si la sociologie même cacavo est net. Si la psychanalyse cacavo est net. Si la psychanalyse, ni pas chita, ni pas parler de Sigmund Freud, ni pas. Si la philosophie. Bon, les balles parlent de philosophie classique, les balles dans Platon, les balles dans Socrate, les balles dans Platon, les balles dans Aristote, les pré-socratiques, c'est là, Péménide, télé, pas grand-y encore. Après ça, les balles tombent dans les scolatiques, les balles tombent dans les prêtres de l'église catholique, les scolatiques, les balles parlent de Benjamin Constant, les balles parlent de tout exemple. Bon, après ça, les balles tombent dans période et renaissance. Après, les balles tombent bloup. Dans la période des lumières. Alors, elle saute dans la période des lumières, boum! Il tombe dans la période contemporaine. Postmoderniste, ok? Structuraliste, postmoderniste, ça, ouais, nous vient la journée aujourd'hui, hein? Les postmodernistes, avec, bon, il commence avec Lacan, Jacques Lacan, ok? Et, tu monsieur ça, l'école de Frankfurt, et, ouais, tu monsieur, 70 yo. Maintenant, tout cadre référentiel, toute réflexion, c'est l'allié. Il n'y a pas qu'à réfléchir en dehors de lui. Il n'y a pas capable. Mais fais-vous réfléchir pour moi. Les nègres ont dû l'étudier droit en Haïti. Ils sont avocats. Ils sont juristes. Tout droit nous en Haïti, là. Et droit continental lié, oui. C'est droit français, oui, qui est lié pour nous. Et droit continental lié. Et droit continental.
Elle a dit, droit civil nous, c'est droit. Et Napoléon. Hein? Droit civil nous gagnons dans le pays, et Napoléon. Hein? Bon, modèle constitution 87 nous gagnons. C'est le modèle français. C'est le modèle constitution de 1957 avec Charles de Gaulle. Yon, bon, l'autre bois, ils font un parlementarisme rationalisé. Ok. Maintenant, ça, nous gagnons. RFL a créé crise quand on est dans le pays. Hein? Yon, modèle sale à coucher, modèle régime à coucher là, son régime. Ok, quand on a un exécutif bicéphale, qui a des têtes, il y a un chef de gouvernement avec le chef de l'État, président avec le premier ministre, l'exécutif bicéphale, le gouvernement est à la fois responsable par devant le président et par devant le Parlement. Double responsabilité. Le président nomme le premier ministre qui lui-même, ok, nomme les ministres, son gouvernement. Eh bien, ok, selon configuration politique Parlement, ok, le gouvernement va le présenter politique générale il part devant le Parlement. Dès qu'il est devant le Parlement, faut le chercher une majorité qui pour voter. C'est lui exposé à vote de censure, ok. S'il y a une vote de censure, il y a out, gouvernement crasé, ok. Et c'est absurde. Bon, anyway. Mais donc, configuration politique en dedans là. Je viens avec une politique générale. C'est-à-dire, c'est ça fait toujours une bataille. C'est ça fait la valasté bataille pour le gagner contrôle parlement. C'est-à-dire, un seul parti qui pour gagner les trois branches du pouvoir entre les mains. Non, mais. Législatif, exécutif et judiciaire. En fait, la révolution, la valassienne. C'est sous ça, je dis. Les négoles battent pour occuper toute poste dans l'État. Tout pouvoir honnête, les trois pouvoirs. L'exécutif, le législatif. Maintenant, c'est ce qu'on appelle, y'a d'imposer une dictature. Partisans sont partis qui au pouvoir. Opposition à ce niveau-là, pour prendre la rue. Lorsque un parti prend, occupe tous les trois branches du pouvoir, qui s'a traité pour contrebalancer le pouvoir, ça? Pouvoir politique, ça. C'est la presse, avec la RIA. Oui, c'est deux bagages qui prennent la bataille contre lui. La presse et la RIA. Pour empêcher à ce qu'il ait dérive. Vous êtes capable de dire, ok, l'état de droit, c'est-à-dire les organisations, vous comprenez, pour veiller avec violation de droit monde, vous comprenez, en dedans pays. Bon, petit bagage, ça aussi, c'est science politique qu'on nous rend. Mettez mon yo chita pour expliquer ça, régime politique, qui différence entre régime politique et système politique, qui régime nous gagne dans le pays d'Haïti, l'organisation des pouvoirs, ok, en dedans constitution, hein? Qui est-ce qui gagne plus pouvoir dans les trois branches du pouvoir, ok, les trois branches du pouvoir, l'exécutif, et comment yo agent ces pouvoirs, yo. Maintenant, puisque nous avons culture, de dictature en dedans pays d'Haïti, nous venons arriver dans un point côté que nous confondons démocratie à désordre. Nous confondons démocratie à désordre. Maintenant, pour terminer avec l'affaire de Napo et comment il est là, Pasteur Marco. Maintenant, à qui faut là? À qui faut là? Le massacre qui a eu lieu. Yeah. Maintenant, si vous déresponsabilisez Marco, si vous déresponsabilisez Marco, en tant que pasteur, en tant que leader, puis quand il tourne au sujet de l'autre pasteur qui prend même jamais là. C'est-à-dire, il faut qu'on ait une mesure qui prend vis-à-vis de Marco. Maintenant, en même temps, tout, soit responsabiliser Marco, faut bien faire.
Parce que l'État lui-même pas fait rien. Où est l'enjeu? L'enjeu c'est quoi? Si on responsabilise Marco, pour dire Marco pas supposé mener mon yo à la boucherie, c'est une façon pour dédouaner l'État. Ben, l'État pas fait travail pas là. Maintenant, on va prendre la responsabilité totale pour mettre sur la cour. Ça te passe hier, bon concept qu'on a toujours utilisé, il y aurait la responsabilité partagée. Responsabilité partagée dans le sens que l'État failli, gang a détruit moun, pas de moun qui dit un mot, l'État démissionné, Ariel va faire. C'est-à-dire, la Ariel, qui a une responsabilité. Ariel a une responsabilité. Gouvernement a une responsabilité. C'est responsabilité Ariel là, en quelque sorte, qui va l'expliquer. Démarche, Marco. Maintenant, est-ce que Marco est obligé de faire? Est-ce que Marco était obligé de faire? Est-ce qu'il a un choix? Oui, il a un choix. Maintenant, s'il a un choix pour le faire et pour le pas faire, il a une responsabilité. Ou pas qu'à dire, il a une responsabilité. On est dans une république. C'est la responsabilité partagée. La responsabilité partagée dans le sens que la première responsabilité incombe au premier ministre de la République, qui lui-même en quelque sorte pas fait rien, ok, il pas fait merde pour te assurer sécurité population. C'est vrai gang a fonctionné, c'est vrai gang a envahi, c'est vrai gang a bâillé, c'est la police qui pouvait travailler ça. Mais aussi Marco a une responsabilité de la mesure où il a un choix. Nous sommes il a un choix pour le pas aller. Maintenant, s'il choisit aller l'autre bois, il a une responsabilité de la mesure où il a supposé créer armée li de moyens nécessaires pour y aller. Ou pas qu'aller au pont d'Almou nous mener, c'est lui d'oyer, et puis il mourit, qu'on a vu dit, ou pas une responsabilité. Responsabilité. Qui bêtise ça? Qui m'a pas de caca ça dans la vie? Qui société nous besoin? Déresponsabiliser Marco, c'est créer une ouverture pour n'importe monde capable de prendre avantage, mais les peuples à la boucherie. De pour déresponsabiliser Marco. Pas que monde qui te mette couteau dans gorge Marco, pas que monde qui te mette bâton dans monde Marco. OK? Si Marco estime pour prendre situation en main pour la porter, solution que le juge est nécessaire pour la porter, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité. La raison, c'est qu'il y a d'autres pasteurs. Il y a d'autres pasteurs qui sont là. Est-ce que l'initiative a été faite, t'es faite dans le cadre collectif, côté tout le monde est chita, il t'a demandé bien fondé, est-ce que ça n'a fait, comment on a fait, on a réfléchi sur l'opération, qui risque, qui gagne, on évalue, est-ce qu'il le fait? Et c'est le level. Oui, il y a une responsabilité. Soit fait pays. Mais si c'est brigandage, je fais. Si c'est pas fanatique, quoi, régler. Et normal, vous dites, oh oui, Marco va faire rien. Oh oui, c'est pas Marco. C'est qu'on ne va pas tomber dans le sectarisme. Oh oui, c'est pas Marco. C'est gouvernement. Non, c'est pas gouvernement. C'est Marco. Non. La responsabilité doit être partagée. Chaque monde doit répondre pour action par eux. Le et premier ministre, normalement, qui t'a supposé prendre les mesures nécessaires pour combattre gang di Bafel, l'État failli. Maintenant, Marco t'a supposé aussi mener peuple là, moun yo, à manifester devant le premier ministre. Pour exiger gouvernement combat gang.
Où est-ce que tu choix? Où est-ce que tu as choix? Ma collègue doit lever, libre peuple là, libre mounio, là le coucher devant le président, le premier ministre va sortir, tout le monde couché dans la rianne. Parce que le premier ministre va pas passer ni en bas, ni à l'air. Ma collègue a fait le doui. Il a fait ça, ou elle a option. Ma collègue doit prendre moun sa yo. Ma collègue doit prendre moun sa yo. Il décide, al devant, et la police, couché avec Mounio devant la police, manifester pour la police faire travail. Il est avec nous. Maintenant, réfléchis une seconde. Dans un état, l'elle faillit pas un monde qui a substitué à l'état. Même l'elle état faillit. Pas un monde, pas un pièce groupe, ni secteur qui a substitué à l'état. T'aimerais dire samedi encore. Même l'État failli en dedans société. Pas de pèse groupe en dedans société ça qui a substitué à l'État. Même gang yo qui a fait sa affaire là. C'est hors la loi à fonctionner. Ça veut dire depuis l'État, depuis ta volonté politique, l'État marche pour yo et puis la combat gang. L'État était l'État. Li met failli, li met bancal, li met ceci, l'État était l'État. Par les gens qui ont joué l'État, que l'État. Parce que l'État, gon bagay li gen la kali qui différentiel de l'autre groupe. Dik, nan kasa ki sante smakou, mba juge, Guillaume Deste, mba juge ma ou. Mba juge, mba juge ma kadou ki sante smi. Mais gon bagay ma fè nou comprendre. Et on va quand même dire nous pour nous faire comprendre. Phénomène gang, non? Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de vaudouisant, il n'y a pas de sous-gang, il n'y a pas de sous-maçon, il n'y a pas de sous-protestant, il n'y a pas de sous-catholique, sous-adventiste. Phénomène gang, non? Il n'y a pas de sous-bourgeois, sous-black. Soutine de gang. Phénomène grand, non, pas comme ça. C'est une raison. L'on a pas abordé phénomène, ça, faut qu'on ait bien comment pour aborder. Faut bien analyser le phénomène, là. Parce que, n'importe faux pas ou fait, il cache les sociétés à plus que les deux sociétés. Qu'est-ce que nous exemple? Ça crive Marco, là. Li pi bon, li plus nan avantage gang yo que nous même. Bon exemple. Vodou izo a dit pas commencer shooter sou protestant yo. Protestant yo va camper pour défendre. Ou situation. Pendant ce temps, Ariel là Gagnola. C'est-à-dire que situation plus stigmatisée et renforcée division qui gagne dans la société ya, que li unit société ya. Que li rapproche yo pour yo dire écoutez gang nan concerne nous tout qui tout est protestant qui tout est vaudouisant qui tout est ceci, qui tout est cela, faut nous comprendre, faut nous d'accord que phénomène gang nan, il concerne nous tous. Mais du moment que chaque monde a battu pour lui la solution, parle, pour qu'a dit ces protestants, t'es jeune solution, que c'est vaudouisant, t'es jeune solution, nous caca. Gang nan a profité de sectarisation société là, pour le capable d'établir lui bien. Regardez-vous sur les réseaux sociaux si c'est menti m'abaye. Voyez-vous sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur les réseaux sociaux là? Ou pas on gang à tirer pied. Tout le monde qui a tiré pied. Vaudouisant a chuté sous protestant. Protestant a chuté sous vaudouisant. C'est si c'est là. Oh oui. Et vous avez dit que vous avez sorti de là.
Maintenant, monsieur, m'a dit que je suppose que Marco sentence soit de l'église. Mais a fait pour un monde dit Marco pas une responsabilité dans massacre là qui fait là là, mais dans mon à la boucherie, ce serait une absurdité, une ineptie. C'est pas possible pour camper pour dire comme ça, on est décidé un bon matin, il prend un groupe moun, il mène au canaran alors que le connaissait dans gang en face à gang il va mettre yo avec petit bateau tissé tissé là et puis qu'on y a moun yo commencer mourir et puis on y a pour dire comme ça la responsabilité. Ouais, quelle naïveté, qui modèle de société, qui société n'a construit. Et bien, j'avais dit n'importe pasteur qui doit aller là un bon matin tout, qu'on y a si un groupe on l'autre pasteur lever là un bon matin, il prend groupe moun palio, il mène yo grand ravine et puis yo mouri. Qu'on va dire comme ça, oh oui, faut pasteur ça, faut faire le payer. Comment on va faire payer? Et s'il dit qui sorti fait ma coup? S'il mande qui sorti fait ma coup? Les ma côté fait, t'es mené palio et canarin. Ou t'es dit, Marco, lui-même, lui prend groupe par l'almenen, l'autre bord, l'autre groupe, là, et puis, moun ap mouri. Mais dans ce pas une responsabilité. Comment on fait parler de leadership? Si pas une responsabilité, sur qui base, ou a parler de leadership? Et va, qui va, y'a dit, on est grand au matin, parce que c'est leader lié, et puis le mène, lui décide de prendre n'importe moun, sans conséquence. Sans qu'il n'y ait pas de conséquences, leader décide, en tant que leader, moun yo ap suivre li aveuglement, et puis il prend yo le mené yo. Li mené yo à la boucherie, et puis tout le monde croise les bras yo. Oh oui, c'était un bon bagay li t'a fait. Bon, depuis qu'il y a moun ki mouri, pas de question de bon bagay ou t'a fait ou pas, non. Depuis qu'il y a sang coulé, pas de question de bon bagay, non. Il faut une responsabilité, oui. Depuis sang coulé, faut une responsabilité. C'est celle nous même en Haïti pas valoriser la vie, oui. Et à faire société à effondrer comme ça. Nous pas connaître depuis sans couler dans tout grand pays qui développé cap avancer. Depuis sans couler faut une responsabilité. Depuis c'est pas suicide. Depuis c'est pas suicide qui fait. Depuis sans couler faut une responsabilité. Depuis mon n'est pas suicidé, suicidé tête dit. Depuis sans couler faut gagner responsabilité. Dans cette société de valoriser la vie. Yon groupe moun mouri. Parce que yon fait yon pasteur confiance. Yon groupe moun perdit vie yon parce que yon fait yon pasteur confiance. Et puis quand yon campé ou dit comme ça. Ça t'a fait à bon. Ou fucking cares, ça t'a fait bon. C'est pas ça t'a fait le bon, non? Qui est important. L'homme fait bien, il faut bien faire le bien. Pour éviter pénalisation, lorsque vous faites le bien, make sure que vous bien faire le bien. Ou gen doit faire bien ou mal faire bien. Li entraîner des conséquences. Et là, problème n'a commencé. Gen moun qui fait mal. Mais yo bien fait mal là. La dit, ou a fait quoi difficile pour condamner moun là. Tellement mon nom fait mal la bien ou envie pénaliser mon job ou pas capable parce qu'il tellement bien fait mal là. Il tellement bien fait mal là. Ou a bien mal là, ou a même nous compte si c'est mal là, ou bien tellement mon nom bien fait mal là. Qu'on sa tout, gen moun ka fait bien, yo tellement mal fait bien, yon, ou pas ka ouais bien. C'est mal là. Ou est-ce mal, tellement mal fait bien, ou pas aller. Bagay la bon pou mon bagage huile tellement bien mal fait. Bagay la bon pou oui, mon bagage huile parce que bien mal fait. Et bien, ça nous y est dans la société. Et dans ça nous y est dans la société, ça là.
pas de responsabilité encore. Il suffit que vous groupe moun deyo, il suffit que vous avez partisans qui mettent dans la rue, il suffit que vous avez fanatiques, pas de responsabilité. Pas de responsabilité. Tout le monde fait ça, vous voulez. Je vais terminer pour me dire. Si c'est en Haïti, vous dites, anyway, c'est un plaisir de vous avec nous. Chers amis, passez bon après-midi, bonne soirée, mais nous, beau sale tout le temps, beau sale en foi, beau sale tout le temps, en pile l'amour, en pile love. Kembe là, pas découragé, ciao.